Oh boy! T'as eu du fun? Oui! Moi aussi, j'ai eu du fun. Lâchez-vous parce qu'après, c'est le vent des cantons. Les autres avec sont le fun. Oui! Et vous aimez ça, des soirées comme ça? Oui! Moi, j'en ai une à vous offrir. Si ça vous tente de venir faire un tour. Oui. Vous savez qu'à cause de Gilles et de la gang de FCM et des Chevaliers de Colomb, je me suis impliqué beaucoup au sein des églises, ce que j'avais jamais fait avant. J'étais un bon chrétien, j'allais pas à messe puis je payais pas ma dîme. Ouais, j'étais un bon chrétien. Jusqu'au jour où je suis devenu chevalier de colomb, j'ai dit, je suis bien colomb par la messe. Mais à un moment donné, j'ai des amis qui restent à bout de l'Aubinière. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Plessisville, Princeville, ces coins-là? Oui. Princeville, Plessisville, il y a une petite municipalité là-bas qui s'appelle Lister. Lister, c'est juste à côté d'un autre village qui s'appelle Sainte-Anastasie. Sainte-Anastasie, je vous parle de ce village-là, c'est pas pour rien. L'église de Sainte-Anastasie est un patrimoine canadien. Et une des plus vieilles églises en Amérique du Nord. C'est la deuxième plus vieille église au Canada. Vous êtes d'accord avec moi jusqu'à date? L'Ordre Casavant qui est à l'intérieur de cette église-là est la première Ordre Casavant qui a été posée par M. Casavant lui-même. L'été passé, je suis allé faire un tour. Et j'apprends par la sacristine qu'on veut fermer l'église. Je suis catholique, chevalier de colomb. Puis je regarde ça, puis ça n'a pas de maudit bon sens. Fermer un patrimoine canadien. On fait venir des Arabes, des musulmans, des juifs, toute la gang au complet. Yes! Yes! Puis on dit, ferme ton église. Non, parce que j'ai rien contre eux. Mais moi, je peux vous dire une chose. Moi, comme catholique, mon signe religieux, c'est la croix. Et qu'on me dise qu'on m'enlève ma croix, ça me fait, excusez l'expression, mais ça me fait chier. Alors, ce que j'ai fait, je leur ai offert un spectacle gratuit. Et ça, je vous annonce la date ce soir, le 19 mai, à l'église de Sainte-Anastasie. Venez faire un tour. Je vais être là avec mon orchestre que j'ai commencé il y a à peu près 15-20 ans. Le band de Montana avec qui j'ai commencé ce beau périple-là de la musique. Et on va essayer d'aller sauver cette église-là en ramassant des fonds. Parce que tous les bénéfices de cette soirée s'en allent à la fabrique de Sainte-Anastasie pour sauver l'église. Parce que ça coûte juste un hiver, 30 000 $ chauffer cette église-là. C'est un bijou, notre patrimoine, elle est encore tout en bois. Donc, si ça vous tente de venir faire un tour, je vous invite le 19 mai, venez faire un tour là-bas. Ça va débuter à peu près vers 19h. Avec l'orchestre, on va avoir un fun noir. Ce soir, on fait party de la fabrique, on ramasse des sous. J'étais un gars un peu généreux de mon temps et aussi de moi-même. Ce soir, je fais un spécial. Comment est-ce qu'il y en a qui n'ont pas d'album de moi ce soir? Levez vos mains, ceux qui n'ont pas. Il y en a une sac à gagne. On va faire un délai, vous autres. Vous venez chercher un album, je donne 5 piastres à la fabrique. Je le vends 15, je vous donne, je garde 10 piastres, payez ma bosse, parce que ma bosse, vous pouvez la payer. Puis je donne 5 piastres à la fabrique. Fait qu'à soir, encore une fois, lorsque je vendrai un album, viendrez me voir, on va vous vendre ça, puis ça va vous faire plaisir. Puis si vous n'avez pas d'album, juste me jaser, venez voir, ça va vous faire plaisir aussi. OK? Fait que là, je vais arrêter de cacasser parce que je vous ai changé de temps sur la soirée. J'ai pas parlé beaucoup, c'est rare. D'habitude, je parle beaucoup. La soirée, je parle pas. Là, j'ai donné mon coup. Pierre est surpris de ça parce que d'habitude, dans l'assemblée, je parle pas mal. Messieurs, comment est-ce qu'il y en a parmi vous autres ce soir qui ont connu des séparations? Vous êtes menteurs en tabarnouche parce qu'il n'est pas tant que ça. Soit qu'ils sont ruinés. En tout cas, mon chum Bob, lui, il y en a eu une séparation, il fait des os avec les autres enfants. Wow. Ouais, c'est ça qu'il m'a dit tout à l'heure, il va vous montrer ça tout à l'heure. Il dit, je fais ça avec les os de mon ex-femme. Mais, vous avez vécu des séparations? Mesdames, on dit souvent que les hommes, on est un peu pervers et macho, c'est vrai. Et à un moment donné, j'ai un ami qui est venu voir, qui m'a présenté une chanson, qui explique très bien ce qu'un homme vit quand il rencontre sa femme dans un club avec un autre. Allô, ça à quelqu'un. Et ce soir, je vais vous l'interpréter comme dernière chanson. Non, pas de suite. Pas de suite. Non, pas de suite. C'est parce que ça cognait à la porte, j'entendais qu'elle ouvrait.
Avez-vous déjà entendu le dernier, les derniers tunes des Portes du Pénitencier? La dernière version des Portes du Pénitencier? Non? Ben, quand est-ce qu'on sort de la prison? Il est malade dans la tête. Fait que je vous laisse avec ma dernière chanson qui s'appelle « Juste pour une dernière fois ». Là, tu me fais peur. Non. Là, tu me fais peur. Non. Non. Oui. Tout rentre de toi. Non, pas moi ça, tu c'est pas grave, on va y pardonner, hein? Ouais, ouais. Oh, ouais. Vas-y, mon lit. Ça me va. J'étais assis, dans un bar, tentant d'oublier mon désespoir. Quand je t'ai vu rentrer avec et moi détruit. J'ai fini mon verre et je suis parti. Il me faudra bien des jours pour l'accepter. Quand je t'ai vu dans ses bras, mon cœur s'est brisé encore une fois. Je ne peux m'empêcher de mes espoirs se sont écoulés. Juste pour une dernière fois, serre-moi fort tout contre toi. Et perdu, sans savoir comment.